Balandia Congolais FM Télévision, na banza été mokolo molelo to kutena bino pour que Tomeka lelo oyo kolobela ba situation ko le kanaka ta République démocratique du Congo, lelo oyo ba Congolais ba komituna to ko pousa na pene pene mapona mi mais ba dossier ko bima ndenge na lobaka yango chaque fois que ba dossier ko bima et ko bangisa ba imboka ba Congolais bino no so bokomela ki biso na ba suggestion bolobaki na biso ete lelo oyo esengeli na ba oyo ba kozwa monopole ya loba po ya kolobela bino na kati ya gouvernement to na kati ya ba autorité nyonso public lelo oyo to zali bongo na mwana mboka Timothée le Noir elongo na ye toko o partager ba situation nyonso koleka na kati ya République démocratique du Congo komona wapi lelo oyo situation sécuritaire na kati ya République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, le pays saigne de partout. Situation sécuritaire na est, situation sécuritaire na kati ya capitale, situation sécuritaire même tina kati ya justice ya mboka na biso epai wapi ba document e kubunga makambo ebele ko salema na kati ya justice ya mboka na biso. Est-ce congolais akoki kozala na elike ya justice équitable epai wapi mokonza mboka lobaki ete état des droits? Est-ce que état des droits ezali marché to état des droits ezali toujours na rail nango ya train pour que e ba ko réussir jusqu'à bon port? To kolanda lelo oyo bandeko oyo ba ko déplorer lelo oyo 368 personnes oyo ba ko subir ba non paiement na kati ya compagnie ya Pain Victoire. Est-ce que ezali pona nini ba congolais ba ko réclamer lelo oyo mwana mboka azui maloba po te alobela pe ba congolais? Parce que question il y a congolais ni on se singeli à la portée et pas il y a ba oyo bino bo pesa et tinda wana et pas il y a bino bo pesa confiance wana lelo to ko beta li solo na yango to ko loba nini et pas iwa pi société civile lelo oyo ba tonyo so yi envie toujours ya kokata na politique société civile ba pasteur ba ke na kati ya union sacrée ba ke ko luka nini? Est-ce qu'il y a mon sala na bango to ko yeba yango na kati émission na biso ya lelo et bongo la plus grande question RDC pays de soif. Na banza yete mwana mboka Timothée le Noir ako répondre na ba question oyo nyonso oyo totie na place publique parce que yango ezali ba question cruciale et capitale oyo bino bokozela yango lelo oyo tokobundana no combat cage tolobi ete makala ekotikala putulu ekomata parce que mai soki ningani ningana kapamba te République démocratique du Congo ba congolais ba ina posa yete ekimia ezonga na mboka na biso mwana mboka mbote na yo. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très flatté. L'invitation à eux. Et c'est une première fois pour moi de passer. Et je suis vraiment, vraiment flatté. Je suis vraiment flatté. Donc, je reste entièrement à ta disposition. Mes salutations à Batounio Soba Rolanda Bissot. Bas à l'occasion de partager parce que nous allons fournir beaucoup d'efforts pour nous faire l'analyse par rapport à mon Zindo. Comment est-ce que mon réseau fonctionne? Je suis Timothée le Noir Efika. Analyste politique, leader d'opinion, initiateur et président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle. On a moi na mboka Vital Kamerhe comme partenaire. Donc rien à voir avec l'UNC, un grand parti politique que je respecte, mais on a partenaire, il y a personnalité Vital Kamerhe. Mais par-dessus tout, je suis parmi les cadres de l'Union Sacrée. J'ai fait un choix et mon choix c'est pas l'opposition, c'est le pouvoir. Voilà, lelo oyo mon amboka situation ko leka na kati ya République démocratique du Congo. Donc yo ko sala choix na yo ezali na personnalité ya Vital Kamerhe, mais vous faites aussi partie na kati ya Union Sacrée. Lelo oyo situation ko leka na kati ya mboka na biso, insécurité zo battre son plein na kati ya République démocratique du Congo. Est-ce que lelo oyo ba congolais ba koki kozala à mesure ya koloba ete mboka ekotambola malamu? Bon, évidemment, nous sommes un État, où il y a un État démocratique. Au nom de la démocratie, tout le monde est libre. Il y a un peu de vie par rapport à l'Ikambusongolo Pakala. Pour certains, le pays marche bien. Pour les autres, il marche bien. Mais moi, étant citoyen congolais, politique, homme du pouvoir, je ne peux que dire que le pays avance bien. Malgré que les baratés et belé, il y a une photo de Bélango, mais erreur de plus en plus, ou encore de mieux en mieux, ils ont s'accentué. Mais le plus important, le pays avance à petit feu, tout en cherchant, nous, le pouvoir, il faut s'améliorer. Donc, ce qui est l'homme, tout ça, que le pays ne marche pas bien, il ne faut pas qu'on juge, qu'on condamne, ils ont un point de vue. Il y a moins que le pays peut marcher bien.
Isaïe Kaka, moi j'ai dit que non, nous sommes au milieu, parce que nous, le pouvoir, jusque-là, nous ne sommes pas encore en, comment dire, la capacité à satisfaire la population à 100%, ce qui est d'abord pratiquement impossible. Là, vous avez reconnu quand même, vous reconnaître que beaucoup satisfaire la population. Non, ce n'est pas facile. Dans quel sens? Au sein de l'Union sacrée, nous avons un principe de base qui est l'autocritique. Avant que la société civile, les confessions religieuses, tu vas s'attaquer à Bissot, Bissot Moko Toussaka, autocritique. Pour dire que si là ça va, ça va. Si là ça va pas, ça va pas. Actuellement, les choses marchent un peu. Pour ne pas dire ça va pas, on a dit à Kokoso, avec les phénomènes Kuluna qui ne cessent de s'accentuer. Dernièrement, nous sommes en train de vivre un phénomène Mobondo, et l'ongwe kwa mutu ego bimati na maluku. Et là maintenant, comme un kidnapping, moi je suis citoyen congolais, responsable père de famille, tant rouge est à rouge, bleu est à bleu, pembe est à pembe. La situation est très alarmante, et j'estime que dans le niveau de décider un sommet, Il y a pouvoir, il y a la République démocratique du Congo, ils comprendront qu'il y a un ça ne va pas, alors il faudra mettre toutes les batteries en marche pour nous permettre quand même que Mboka est poussé même vers un pas. Attends, on met à trois pattes, mais tout ça, là, t'as moins un pas, entre autres, Makamba kidnapping au procès, écoute à la Mozindo, et l'Ouganeta, papa aventure, voilà, tout comme on a déjà, comme on a distraction. Donc, c'est un peu ça. Lelo Oyo, est-ce que le chef de l'État peut compter sur ma service et la sécurité à Mboka Nabiso, mon amour? Le chef de l'État peut compter sur ma service à sécurité à Mboka, ce qui est normal, parce que le chef de l'État a été élu avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de nation, comme toute nation sérieuse, il aura toujours dans ma service à sécurité à Mboka. Mobutu a beaucoup dépensé pour l'intelligence, Kabila a dépensé, Fachi d'entrée déjà en fonction, à dépenser Péming et pour la formation, évidemment, militaire, policier, service à renseignement et consorts. Mais ça ne s'arrête pas là. Apparemment, c'est une démarche actuellement où ECOM est bloqué. Nous retrouvons des personnes très bien formées qui ont la volonté d'accompagner la République dans le cadre de la sécurité. Malheureusement, ils sont mal payés. Ils sont mal payés, la faute incombe à qui? Oui. Parce que la situation. Parce que le billet est moto et il y a la sécurité à Mboka. Ceux qui ont mis dans la condition à la montée. À quoi trahir? Tout à fait. Ça veut dire que la question sur la sécurité, ça doit tous nous interpeller. Nabino Bapanzi Sango, chaîne à télévision, Bissoba analyste politique, tout le monde, les situations, globalement, ils ont concerné Bissonios. Mais le plus important, c'est que, dans le niveau des décideurs, ils doivent comprendre, un, nous sommes dans une année électorale. Deux, à part du fait d'être une année électorale, ça veut dire que la République, au travers de la population, tous en a besoin de l'anakimia. Tout ça a besoin, tout ça a sécurité, biso n'a pas bien la biso. Alors, bateau a coquille pour sécuriser biso, ce n'est que le service de sécurité, entre autres, nous avons FARDC, police, même DGM, ANER, CNES, PECRIM, tous ces histoires, vous voulez services spéciaux et consorts. Mais le plus important, il faut base à la motivation. Prime n'a pas, ration n'a pas, dotation n'a pas, salaire n'a pas, au besoin, ça doit être respecté parce que même s'il y a une nuance, ils ont juré sous les drapeaux, mais n'oublie pas qu'ils sont pères de famille, ils ont aussi des responsabilités, alors ils ont besoin de travailler pour la République et évidemment, partie de la République, la population, ils ont dit la Constitution, où ils ont travaillé, ils ont mérité, ils ont payé. Nous avons été dans la question où on a deux volets. Volet à l'Ibosso, les autres qui ont été dans la justice, ils ont mis sur la fuite des documents et qu'on s'en est mal. Volet à Mibale, les autres qui ont été dans la question de Cyril Ramaphosa, où il y a l'Afrique du Sud, et pas où on a été dans la question de Sadek, Sadek, Aya, mais Sadek. Ils ont na kati ya ba prérogative na yeso ki membre moko azali attaquer et sengeli atia maboko mais na volé li bosso d'abord pour que avant to koma na volé ya mibale ba document ezo bunga na justice ya mboka na biso bon ba document ezo bunga na justice ya mboka na biso. Ça c'est vrai, il faudra qu'on soit rationaliste et conséquent. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine légèreté de la manière dont les choses se traitent. Alors ce qui document est bungé, nous avons des experts en matière de contre-espionnage et d'investigation. Ça veut dire bah, permettre, bah, oh, dans des conditions qu'il faut, bah, ça va bah, bah, mener l'investigation. Quand on retrouve que c'est XYZ qui a fait fuiter les documents, oh, nous avons aussi des documents. L'état des droits, ils ont synonyme à libertinage. La liberté n'a rien à voir avec la libertinage. Parce que quand ils ont libertinage, ils ont excès des ailes, ils ont un dossier, ils ont très capital, ils ont un bungisango, même l'administration publique, même la moussala. Ça veut dire que c'est condamnable par la loi, par la constitution. Ils ont un bon moment, ils ont Kangami. Lilo Oyo, Lilo Oyo, Sadek, Asali Mouaref. Oui. En fait, tout ça signataire de la Charte des Nations Unies,
tous les membres influents en République démocratique du Congo, dans la SADC, tous les membres extrêmement influents dans la Union africaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, même si les vieux Lutundo, là, tout le temps, ils nous racontent sa vie, mais nous comprenons quand même que notre diplomatie, ils ont cessé que ça l'a bien fort. Alors, la SADC doit rester rationnelle. Dans quel sens? On s'est fait attaquer jour et nuit. La SADC est là dans des conférences, excusez-moi, que moi j'estime inutiles. Trop de blablabla, ma dépense est au Kébélé, SADC à Goyana RDC, les trésors publics, Fouabi Misa, patati patata. Mais la SADC, quand on étudie la politique internationale, on va comprendre que dans quand il y a un problème, la SADC s'implique. La SADC prend le combat bras le corps. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Donc, nous représentons un poids hyper important, dans la SADC, dans la Union africaine. Mais le cas de la République démocratique du Congo, ils ont toujours dans la conférence, ils ont toujours dans le symposium. Moi, écoutez, au fur et à mesure, ma Cameroun, ça commence à faire mal à la tête. Ou carrément, on se retire dans le bloc, on a qu'on se prenne en charge à notre manière. Parce que nous sommes aussi un État, tout en minéré l'abisso. Où ils ont référence à monde, on peut bien recadrer les choses, tout est comme minéré l'abisso. Biso peut être son babibundé, surtout que levé, il y a la suspension, ils allaient déjà. Qu'on sache se défendre pour que tout est quand même qu'on bénéficie d'un respect l'abisso et puis d'un kimia l'abisso. Est-ce que Christophe Lutundu, là aujourd'hui, il est en train d'aller dans le rail, normalement, il y a mission diplomatique, ou soit il est en train de dérailler par d'autres discours. Non, je n'aimerais pas dire que Lutundu la déraille ou il est dans les rails. Moi, je suis quelqu'un qui est libre d'esprit. Lutundu habite à Binza Pigeon. Il faut passer par l'avenue Mondjiba, la grande avenue de Kitambo Magasin qui te traverse jusqu'à vers le boulevard du 30 juin. Nous avons l'ambassade de France, qui n'a même pas une salle d'attente. Le Premier ministre passe là jour et nuit. Lutundu, là, c'est son chemin de tous les jours. Où est la diplomatie? Je n'aime pas trop ces termes-là, diplomatie agissante. OK, on respecte les termes. Mais l'ambassade de France en République démocratique du Congo, salle d'attente, il n'y a pratiquement pas. Il y a même l'ambassade de l'Espagne. L'ambassade, il n'y a pas de salle d'attente. On ne sait pas respecter. Il y en a beaucoup d'ambassades. Pourquoi ne pas bénéficier des états généraux des affaires étrangères? Ça sera important. Ça, ce sont des dossiers très culminants. Nous avons 5 machines pour imprimer nos passeports. Il ne nous reste que 2, pour ne pas dire 1,5, et qui tombent à panne à tout moment. Quand vous demandez les passeports, ça doit prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Je sais qu'aux affaires étrangères, même les installations posent problème. Même les gens qui viennent pour remplir les formalités par rapport à la démarche, à la procédure pour obtenir, comment vous appelez, un passeport, c'est un cauchemar. Où est Lutundu? Le leadership de Lutundu là aujourd'hui est en faillite. Bon, nous sommes au sein de l'Union sacrée, ça c'est mon avis. Je ne veux pas m'attaquer directement à M. Lutundu là. Mais sa diplomatie, en fait, sa manière de faire est down. Ça, c'est mon avis étant citoyen congolais. Ah, les lots qu'on confirmait en gros que, et manière naïve, non. Leadership naïve, ça les rater. Les lots, je confirme, mais c'est mon avis étant que citoyen congolais. Moi, je suis du pouvoir, mais je ne suis pas dans les djalélos. Vous savez, la force de l'Union sacrée, c'est que Fatih, c'est un père, quand il rentre du travail, il sait mettre tout le monde autour d'une table. Comment s'est passée la journée? Toi, pourquoi tu n'as pas peigné les cheveux? Toi, on lui a dit que non, tu n'as pas révisé. C'est ça, l'Union sacrée. On n'est pas dans les djalélos. Et moi non plus, de par ma nature, je ne suis pas dans les challenges. J'estime que notre diplomatie, même les balayages, même les nettoyages, même les services cleaning dans les bâtiments des affaires étrangères posent problème. Donc aujourd'hui, la RDC, la République démocratique du Congo, doit compter sur lui-même. Non, la RDC doit compter sur lui-même. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, s'il y a un secteur que nous, politiques, nous, citoyens congolais, on peut accompagner ou encore booster, et je peux parler de la sécurité. Parce que seule la sécurité a tant été, mais le pont est à Gokana. Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou à l'Oba qui est à se sentir chef de l'État aussi longtemps qu'il y a besoin dans l'Est, et il y a 5 mois, il a fait un mandat, il a échoué dans la partie Est de Mbokana Biso? Bon, dire quand même échoué, ça c'est un peu trop dur, mais là, c'est possible qu'on récupère la situation. Parce qu'en politique, rien n'est impossible. Mais la faiblesse de l'Union sacrée, pour ne pas dire la faiblesse du chef, la faiblesse de nous, l'Union sacrée, c'est le casting. Comment ça, tous ces ménopausés politiques, tous ces ventriotes politiques, tous ces fatigués politiques, parce qu'il y a un Kabila, on a le haut au monde, on a appelé la Félix Tshisekedi. Ça veut dire que le pays a un problème. Mobutu avait sa classe politique.
Kabila a créé sa classe politique. Toi et moi, on est gradués, on est licenciés. Mugoni Fatiar a créé classe politique là. Au contraire, avec ces nouveaux vents, cette vague, il y a présence, il y a Fatih dans la gestion de la République. Tout le monde a Fatih a passé impulsion. Évidemment, dernière impulsion, ils ont qu'un des mains. Et ça accentue davantage. L'autre, tout le monde a passé, il y a ADG, administrateur de jeunes. Oui, ça vraiment la synergie, ma casse. Ça vraiment avec beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, afin d'aider la République et ses mouvoirs. Mais ça doit continuer. On n'a pas besoin tout le monde à bateau basan la présidence. Mais si on a présidence, on a la casse, on hésite au coco tate. Comment? Parfum, ça qu'on a au coco tate. Olé moussala et les cas. Je n'ai rien dit. Parfait, ça n'est pas. Il y a un parfum, ça qu'on a la chaussure au coco tate. Ah, donc la présidence moussala et moussala et matin. Tout dans le secteur, on a secteur, on a secteur, tout dans le monde technique. Fouin, fouin. Pourquoi les chefs gardent tous ces gens-là? Nous, on a beaucoup des idées. On a beaucoup d'initiatives. Si aujourd'hui la machine, il y a présidence, il y a une machine moteur, il y a tout autour, il y a chef de l'État, et qu'on marche, et donc le pays va mal. Bon, le pays va mal, oui, comme plusieurs pays aussi au monde, ils ont marché. Mais ce qui est intéressant en politique, ça veut dire que tout est récupérable. Aujourd'hui, quand tu échanges avec les chefs de l'État, quand tu vois le chef de l'État de par ses déclarations, vous voyez, vous sentez, vous vivez en lui la bonne volonté d'aider son peuple à aller de l'avant. Promesse. Bon, tu sais en politique qu'il faut savoir promettre. La politique, c'est comme l'amour, il faut savoir promettre. À toi qu'on réalise, mais pour nous conquérir, chérie, il faut promettre. Parce que moi, c'est l'ingagoyoka. C'est comme la population l'ingagoyoka. Aujourd'hui, c'est la même population, on va aller aux élections. Canada, t'as l'élona image, autant la population a voté. C'est la même population, elle va repasser Polo, va payer 10 dollars, 20 dollars, elle a payé sa talaté. A que foutre à mon talaté. Mais mon talaté, on attend encore ma députée, c'est pour le bonheur de sa famille. Est-ce que l'erreur, Ezali, n'est pas une abinoté en politique? Pas du tout. Parce que binon n'est pas qu'il n'est qu'au cause de la population. Mais c'est quoi la politique? Oui, ok, ok, si, bozui, Nicolas Thompson, Polo, monsieur le journaliste. Et 5 ans, monsieur le journaliste. Chacun a fait son choix, il y a mon salaire, il y a métier. Les lois en République démocratique du Congo politique est comme un métier. Tant qu'on a eu un cause, ça y est, qu'il y a un cause mondial, mais il faut des ananas. Ils ont des ananas, excusez-moi pour les termes. Ah, c'est qu'il y a eu beaucoup participé dans le malheur, il y a la République démocratique du Monsieur Congo. Monsieur le journaliste. Aussi longtemps qu'il y a eu un intérêt personnel. Bonjour pour la députée, il y a Boumbou. Bonjour pour la députée, il y a Boumbou, il y a Selembao, avant d'en avoir flairé. Avant d'en avoir un pigeon. Mais ils allaient peut-être dans député, ils allaient peut-être dans la Bumbouana, mais tant qu'à Bimi, à Seni, il y a un peu à Kéi qu'on vend dans la Bumbé. Yangouana, tu t'as toi et moi, Batouazo Landabiso, toi quand tu as une campagne de sensibilisation à Taïa Ophélé, toi avec sa population, tu as l'escato outil, tu as l'escatoza, toi tu as la vision et l'escatozo Kéi. Aujourd'hui, la maladie, le malheur du Congo, c'est nous-mêmes la population. On ne sait pas ce qu'on veut. Tu as l'escatozo. Tu as l'interview partout dans le monde en Afrique. Tu verras que la République démocratique du Congo t'a tiré de gauche à droite. Un peuple ignorant, un peuple qui ne comprend rien, un peuple qui ne maîtrise rien. Ça veut dire que tu as un contre. Non. Au contraire, tu as la grandeur, il y a beaucoup de choses. C'est qu'on a comme richesse et par-dessus tout, on a 90%. Il y a chômage dans beaucoup. Ça veut dire que les problèmes, non seulement c'est la classe politique, mais les vrais problèmes, c'est la population. Vous comprenez? Parce que quelqu'un peut être aussi de l'opposition, oui. Mais pourtant, non, parcours, on a une opposition à Outeliwa. Parce que tout le monde a en opposition à Zate. Tout le monde vient toujours quelque part. Aujourd'hui, s'attaquer à l'Union sacrée au pouvoir, oui, bravo. Mais bateau, vous avez été en opposition. Ils ont aussi un parcours. Il faut qu'on l'aide là-bas. Et puis, quand tu remarques que les opposants sont en train de se battre en apôtre. Mais ce serait commis pour avoir intérêt à mobiliser. Non, mais tu es bien renseigné que moi, monsieur le journaliste. Vous avez bien informé. Non, parce qu'il y a une moto qui est en opposition. Les opposants sont en train de se battre en apôtre. Et ça, c'est vous avez bien informé. La plupart des opposants à la République démocratique du Congo, ils sont opposants en RDC, na Poto, na Avar, na Université de Lille, Université de Belgique, Kuna, et tout et tout. Pas du tout. Ce n'est pas les moyens qui manquent, mais pourquoi autant à la Poto? Iniki Neza, Académie des Beaux-Arts, il y a une importance grandeur, il y a Académie des Beaux-Arts en Afrique centrale, Nyons. Ou encore l'Afrique d'une manière générale. Homme politique. Mais est-ce que les ministres est-ce que les ministres des Lesous après ça qu'importance dans l'institut supérieur.
Tout mes gars, peut changer nos thématiques, mais avant de quitter thématique, la mission les lots où Sadek a sali refus et ils allaient clair. Les lots EAC depuis bah pour Roger qui tire le 8 septembre, mais EAC a consacré les lots côté. Non, ce sont des administration de la République démocratique du Congo. Ils allaient partager na bah rebelles et M23. On a beaucoup cannabis au moins na beaucoup. Quand tu dis na beaucoup cannabis, tu as tout à fait raison. La République démocratique du Congo est signataire de plusieurs chartes pour le bon fonctionnement d'un État. Tout ça dans le cadre de SADC, tu as commis contre la EAC, tout ça dans le cadre de l'Union africaine. L'Union africaine, la SADC, c'est géré par qui? C'est par l'Union européenne. L'Union européenne est gérée par qui? Les États-Unis, l'Angleterre, tout ce que vous voulez. Qui ne sait pas que tous ces gens-là vont soutenir Rwanda? On est obligé d'en parler, mais très souvent, toujours pour m'énerger pour rien. Parce que chez toi, à la maison, c'est qui est le maître du jeu? Malgré fiancé, Aza, madame, Azali, mais sommet, Anda, Kouzana. Ils ont toujours la décision pour la nièce, pour la neveu, pour qu'ils les abonnent. Les États-Unis trouvent que non, il faut que ça, la Congo, RDC-NCO. Comme ils sont malins, les Américains, ils passent par la France. Et quand vous suivez les interviews de Macron sur la France, particulièrement la RDC, vous comprenez la position. Il y a origine à Makamba Est, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On va faire ce qu'on peut faire comme étant un pouvoir. Comme était un État, mais nous bénéficions d'une injustice qui est visible. Donc, les lots de la République démocratique du Congo, Toko Kende, paradoxe, moi, que Salima. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a lobbyé été. Ce qui Paul Kagame a attaqué Goma, nous avons pulvérisé Kigali. Après deux jours, la commémoration du 29e anniversaire de la libération à Rwanda, Paul Kagame a lobbyé. Rapport mapping et talibi sauté tout et bien moté. Et puis, bah, atrocité, puis bah, agression, c'est comme ça, les manas est et talibi gouvernement. Monsieur le journaliste, Makamba Paul Kagame, c'est de la distraction totale. Paul Kagame bénéficie de l'appui de la France. Ce n'est pas un tabou. Et nous savons que la France bénéficie de l'appui total de l'Union européenne. Vous comprenez? Je vais vous donner une information. Nous avons les moyens. Et nous avons des bons militaires. Oh, les deux sont au chef foin. Journée où Mbézé est belé. Une grande partie à Kigali est tombée. Retiens cette phrase-là. Tu parles à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ça veut dire que l'armée congolaise n'a moindre équipement aux Zanamou. On a Goma, on a Bukavu, ba province, ba ville, wana, yebi, kesoto, beti, en plein centre-ville, il y a Goma et Pélé. Non. Depuis général et chef d'état-major, tu es le bâti, tu es la défensive, tu es comme une offensive, et l'eau, mon repère. Monsieur le journaliste, tu es Zélanine. Tu es Zélanine. Parce que moi, je suis Congolais, je suis Koufa. Tu as dit répondre. Donc, c'est que tu es comme une bâtiment, tu es comme une bâtiment. Je suis Congolais, Koufa, oui. Quitte à notre diplomatie maintenant, de revoir les choses. Parce qu'aujourd'hui, la RDC peut réagir. Mais la RDC est face à un fou. Je suis dit, bon, je suis Katabilamba. Je suis Katabilamba, je suis Katabilamba, je suis Katabilamba. C'est vrai que Batouba Okoufa. Et pour toi, Batouba Okoufa, ils ont perdu, ils ont passé pour Nabiso. Mais t'en fais pas, nous sommes un État. Et nous sommes une nation. Malheureusement, côté Nabiso, on n'a pas besoin de trop dire. Mais sache qu'on se défend. Et que côté Nabiso, toujours raté Bangote. Vous comprenez? Mais nous sommes tellement. La faiblesse de la République démocratique du Congo, nous sommes tellement respectés. Il y a un texte, c'est que quelque part nous handicapent. Mais étant un État, une nation, nous nous défendons. Et je vous dis, que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le Congo ne partira pas. Voilà. Félix, tu sais que dit ou pas, Félix, tu sais que dit, le Congo ne partira pas. Et ça m'a belé la biso. Bolinga, bolinga, la situation est récupérable. La situation est récupérable, la situation sécuritaire, mais la situation politique à Mbogana, surtout comme on a été les Oyo. Bah, Oyo, bah, au Kambabiso, c'est comme si, bah, au Tambola, n'a pas intérêt personnel là-bas. C'est comme si, bah, l'ingi, bah, intérêt à peuple, t'es. Parce que les Oyo, ça fait déjà, Oyo, Tokolo, bah, deux mois, sans cabinet, la vice primature et économie, et pas Yuapi. Oyo, le bah, qui était, yo, pronaka, personne, y a Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe a qu'il y a la contre et la volonté politique de la République démocratique. Vous savez, ça c'est vrai. Il y a je ne sais pas si je dois dire qu'il y a un problème. Pourquoi il n'y a pas un cabinet? C'est l'homme d'État qui est à lui de traiter cette question. C'est mon partenaire. Peut-être qu'il y a un indicateur, il y a un calcul politique. Il y a un évité, il y a un maîtrisé. Parce que vous savez, être dehors, c'est autre chose. Être aussi dans la gestion, c'est autre chose. Mais une chose est sûre et certaine, l'économie en République démocratique du Congo est routée déjà n'a pas de Makassi. Et ça n'a pas de Makassi. Et je ne pense pas que
moi na moins king docteur en économie Vital Kamerhe, il s'en sortira seul. Moi aussi ba congolais que 1 dollar est comme 10 000 francs. Je n'ai pas vu les images au Cameroun loyer que 1 dollar est comme à 10 000 francs. Moi je n'ai pas vu ça. Les lots 10 dollars est comme. Je suis un grand youtubeur. Je suis quelqu'un qui vit, qui respire des réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu une déclaration à Vital Kamerhe certifiant que 1 dollar est comme à 10 000 francs. Je n'ai pas vu ça. Mais est-ce que le lot de Vital Kamerhe au sein de l'économie a approuvé mes gestions par incompétence? Bon, je ne préfère pas trop utiliser le terme incompétence, ça c'est trop fort. Mais je sais qu'il doit se faire entourer des gens. Et jusqu'à preuve du contraire, la vice-primature a droit à plus de 80 personnes. Aujourd'hui, il y a pratiquement 10 personnes au besoin. Je ne sais pas quelle est sa vision, comment se font les choses, mais je sais qu'il est dans des grandes discussions, je sais qu'il est dans des grandes réunions pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Calcul politique, lui seul sait. Mais aujourd'hui, l'économie, il y a la République démocratique du Congo, avait besoin d'un gourou, quelqu'un qui pourra vraiment les booster, parce que Pant et Outi Makasi, rien à voir parce que je suis partenaire de Vital Kamerhe, mais Pant et Outi Makasi, on a mis son ministre à FDC Azaki, on a outé Rolong en Parlement. Alors aujourd'hui, relever cette pente-là, on ne se plaint pas, on ne s'alarme pas, mais c'est un travail où ils ont vraiment collégialité, Zala, conseiller chargé, collège Boyer, et puis ça rapport, parce que l'homme d'État n'a que besoin d'avoir des collaborateurs, il est apprécié par rapport à l'expertise à Zalango. Mais je reste positif par rapport à la situation économique et puis démocratique du Congo. À départ des élections, malheureusement, mais il y a toujours possibilité de faire monter la pente. Ma Congolais, ma Zali, déçu, parce que comme on a été Vital Kamerhe, Oyo, Toyebi, Namakambo économie, il est très fort, mais Vital Kamerhe est en action, jusque-là, rien ne marche. C'est comme si on n'a pas même un ministre de l'économie dans la République. Non, ça c'est trop fort. L'affaire de l'économie, ce n'est pas l'affaire de Vital Kamerhe. C'est comme les questions sécuritaires. Ce n'est pas seulement l'affaire du VPM Peter Kazadi. L'affaire de l'économie, c'est l'affaire de tout Congolais. Évidemment, on a besoin des guides, on a besoin des orientations au travers des décideurs, particulièrement dans les secteurs économiques, qui est Vital Kamerhe. Mais en tout cas, c'est une affaire de tout le monde. Vous comprenez? C'est une affaire de tout le monde. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qui est PCE, juste la finance et l'économie, à vous surprendre les Congolais. Oh, Vital Kamerhe, depuis qu'il est là, il ne fait rien. Je vais te dire une chose, Ndeko journaliste. Je suis au sein du pouvoir. Mais Matata Ponyo, pour moi, c'est quelqu'un que je respecte. Je respecte beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec Sami Badibanga juste quand Matata Ponyo est parti. En tout cas, niveau Isaki Likolo. Et aujourd'hui, il y a niveau Matata Ponyo, à Tchagi Primature, tu refais à Matata qui mouille bien et tout. Mais moi, quand je fais des analyses politiques, sans émotion, sans sentiment, Matata Ponyo, c'est un homme valeureux. C'est un homme que la République doit respecter et accompagner. C'est vrai que Lelo, il y a un dossier Boukangalons et tout, je ne m'oppose pas à la justice, ça ce n'est pas mon problème. Mais ma tata tiki la biso transco, il y a un autre vivre là. Et il y a un autre qui est trans académie. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait une vision. Ma tata tiki la biso Congo Airways, il y a l'autre qui est et bizarrement, Congo Airways, aussi déjà beaucoup. Et plutôt, Congo Airways, oui, sur 3 avions, tout le monde est. Après ma tata, il y a eu 5, 6. Est-ce que vous allez vous moquer de la population congolaise? Comprendre logique, ça veut dire que tout ce que ma tata Ponyo a laissé, ma tata Ponyo c'était un grand voleur, il a bouffé l'argent de Boukangalons, mais ma tata Ponyo a laissé sa touche. Biso siko union sacrée de ton côté pouvoir, toi c'est plein de toi soigné l'élève, et puis biso peut toi imposer touche dans biso. Pourquoi pas 5 avions? Naoki déjà 3-4 masoua, et Zoya déjà. Vous comprenez? Donc tout ça, on en a besoin. Mais est-ce qu'on a mis déjà que tu as loué avion à Éthiopien et que tu as aidé Congo Airways, mais tu as foutu mon côté et les lots pour récupérer l'avion à Bango? Bon, vous savez, nous avons bandé l'émission au sein de l'Union Sacrée, il y a beaucoup de ratés. Et ce n'est pas facile de défendre la politique de l'Union Sacrée. Mais ce n'est pas non plus impossible de croire que les choses pourront s'améliorer, même en dernière minute. Projet Chile et Gelou, zéro. Non, quand vous parlez de Chile et Gelou, zéro, vous parlez de Chile et Gelou, Kinshasa. J'étais à Goma, j'étais au Lualaba là-bas. Alors, il faut tambour là pour nous comprendre que Chile et Gelou, ce n'est pas Kinshasa. Parce que quand il y a Kassai, il peut y avoir Kassai occidental, Kassai oriental.
précisément bande quoi bougeima et bande quoi kananga, ils ont aussi droit à la vie neti bakinwa biso to confondre gelo comme quand on parle de la politique en RDC tout le monde a qu'à Kinshasa Congo central azala bobezo kala kala mbambuji lelo mbongo eliami déjà nzela et ko koma bina bougeima et na et ko dimisa na kananga na frontière ya je te donne l'information ba to balia ki ngona minute ba zo sans ngo pour ton information les travaux ont repris Kinshasa zéro trou Kinshasa zéro trou il faut poser la question à Samacho Kinshasa zéro trou c'est pas le gouverneur Ngobila. Kinshasa zéro trou c'est le gouvernement national. Il faut poser la question à Samaker, Samalov et à qui c'est comment vous appelez ministre Gizabo. Est-ce qu'il est à mesure aujourd'hui na hauteur République démocratique du Congo na primature ya mboka na biso. Bon, dire qu'il a la hauteur ou pas, aujourd'hui c'est le choix du chef de l'État. L'homme le mieux informé, l'homme qui maîtrise ben indicateur on a tous maîtrisé. Mais les lots quand on te donne, on te fait confiance sur la personne aux fonctions, il ne faut pas de quoi tu es capable. Je ne dis pas que Samacho est incompétent. Mais tout simplement, moi, personnellement, citoyen congolais, étant du pouvoir, je ne sens pas sa présence. Alors. Donc, Samalou Kondé est incompétent. Ça, c'est selon vous. Mais moi, je ne sens pas sa présence sur le terrain. Nazaga réaliste. Parce que Naboyi, qui est incompétent, est comme injure, est comme diffamation, imputation dommageable. Mais Samacho, sur le terrain, moi je ne le sens pas, je ne le vois pas. Voilà. Parce que Samalou Kondé, jeune, très brillant, c'est un garçon très intelligent. Samalou Kondé, moi, on a le même âge. Mais c'est le premier ministre que je le respecte. Un garçon très brillant, très intelligent. Mais je n'arrive pas à comprendre les malades à Congo. Casting. Il est entouré de qui? Parce que comme à guerre, il y a un conseiller à présidence, il y a un conseiller à primature. Koutan, on a une commission mixte. Koutan, on a une conférence. Parfum à croiser au Romekate. Mais sur terrain. Puisque vous avez besoin de parfum à croiser. Ou Stone, écoute, on n'en parlons pas. Pour ne pas guerre à Stone. Keba n'a pas Stone. Mais notre technique, tu as là. Bah, tu as peine victoire, tu as bien gagné, tu as fait ta bagote. Où est l'implication de la primature? Tant qu'il y a un dossier, parce qu'il y a un réservoir qui a déjà un dossier, il y a peine victoire. Mais est-ce que les lots Oyo. Parce que le cannabis, il n'y a pas de troupes, il y a des troupes, il y a des chefs, il y a des chefs. Les gens qui sont totalement dans la carte, il y a la présidence, il y a la question, il y a la jouissance, il y a la primature, la jouissance, il y a la jouissance. Mais il y a la jouissance. On est humain, tous on a droit à la jouissance. Mais on n'a pas droit à une jouissance, surtout quand on assume des fonctions d'État au rang de jouissance non publique. Non. Normalement, de par les principes. Mais n'oublie pas que chacun a sa nature, mutamuta na mode de vie. Quand je dis que les amis sont bien habillés, ils ont soumis ma jouissance. Nous voulons que les amis, du fait qu'ils sont très bien habillés, bah, ça la paix capable d'apporter ma solution à problème à Congolais. Parce qu'il faudra dire que non, la République avance de 3 pas et recule de 10 pas. Aujourd'hui, on ne sent pas le poids de la primature. Aujourd'hui, on peut s'attaquer à Fatih. On peut s'attaquer à pouvoir naïr. Ok. Mais les responsabilités sont partagées. Quel est le fonctionnement de la République démocratique du Congo? C'est qui le chef du gouvernement? C'est direct le Premier ministre. Mais tout senti le Premier ministre. Le Premier ministre a une conférence, c'était Abetaga à discours. Tout senti rien à terrain. On sent que le chef de l'État, il est plus terrain que Samacho. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Samacho, Samalo? Bon, c'est Samalo Kondé. Le plus important, c'est lui. Lilo Oyo, Nakati a peine victoire. Makambo Koleka, ba Congolais, plus de 368 personnes Nakati a peine victoire non payées. Est-ce que le gouvernement Nabiso a travaillé pour les Congolais ou a travaillé pour les expatriés? Bon, ça c'est très compliqué. Et, tu sais, des fois, tout ceci dans la haine, moi, Maïl, pour te vendre, les gens nous appellent, les gens viennent vers nous, bah, expliquer Biso la réalité. Parce qu'apparemment, la République démocratique, Mboka Nabiso, et fonctionnera à la télévision. Vous avez 368 personnes que Pain Victoire a mis dehors. L'État se défendre quand on va rentrer. Ça commence à devenir inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Rien à voir parce que nous sommes dans une année électorale. Mais ils sont citoyens congolais. Ils ont droit à la vie. Comment ça, un sujet libanais ou indien, à Koko Tchabatouli Banda, sans pour autant qu'on respecte le préalable, à Fouti Bangote, les 368 familles, Bazo Telengana, estiment dans chaque famille s'ils sont à 10. C'est combien? Pourquoi cette injustice? Et puis, si vous avez un bureau à Mundele, il y a un Libanais, au Romain, il y a une photo, il y a un chef de l'État. Donc, trafic déjà d'influence. Photo à Mundele. Il y a un chef de l'État. Non, chef de l'État. C'est-à-dire que chef de l'État, le chef de l'État, non, chef de l'État, étant mon Konzamboka, père de la nation, il y a un barabatou.
Il y a un entrepreneur et tout et tout et tout. Il a profité de photo, na salon, il a mouné, na tchamoga, na besana. Donc, si vous soignez, vous savez, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, j'ai la justice dans ma poche. Vous avez un président à photo, mais ministre, ministre hein? Travail, mon salon, na enini. Na zan, na katia union sacrée, mais na yebi koutou kombo na yete. Na yebi te soit azamoua soubia mobile. Azamoua si. Na yebi pe tendance politique na yete. Azan, na katia FDC. Bon, on a tout na kaka. Tu vois la force de l'Union sacrée. Biso moko to mituna na. Avant que opposition société civile botuna biso biso moko to mituna. Ministre affaires à ministre il y a travail à nani na prévoyance sociale na la yebiété. Parce que comment se fait-il l'inspection du travail à Villa Kinshasa na 15e rue limité. Ba pesi ba to na raison. Au niveau du ministère, il y a pas un soubassement, il y a pas un poids politique qui accompagne cette décision de 368 familles oyo bazo souffrir ba parents na ba bazali libanda bazali misalati. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous n'allez pas me dire que comme je suis du pouvoir, je dois applaudir. Nos services de sécurité, il faut appréhender le dossier. Oh, bah tout n'a pourquoi pas congolais. Nazala qui n'a bango, si tu veux, je vais te donner des images. Autant là, père de famille, ma colle boukana, ma mâchoire et boukana, mon déla maltraité bango, et ils sont là. Mais Nabanzaïté, je me rappelle parce que il y a peut-être deux ans ou une année passée, je me rappelle, tourna que monsieur Morona, papa Molière, sur les Kambouana, parce qu'il y a un aïe koboundela, batouana, mingi mingi. Mais pourquoi toujours les Alara, toujours pein victoire? Parce que je me suis souvenu, tant que Kolobana, na kanisi les sous, il y avait une émission de tournant là, papa Molière. Pourquoi toujours. Problème est qu'il y a plein de victoires. Est-ce que va continuer à battre la Il y a un ministre qui a il y a travail. Tant que je suis rappelé, je vais penser ça. À comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont en train de torturer, d'écraser les Congolais. Je suis belé, je suis beaucoup par-dessus tout. Et aujourd'hui, pour battre les convocations, ça pose problème. À ça, sécuriser la garde présidentielle. Non, on sécuriser la garde présidentielle. Ben oui. Voilà. Et moi, je n'aime pas qu'on parle de nos services de sécurité. Soro moni mutoza la garde présidentielle, c'est qu'un membre influent de la famille Mouta Pessier. Mais si ce membre influent de la famille a Pessier, Mundelewana a peine victoire. C'est ce qui fait que 368 familles. Nakata nzala, nakata chômage, à ciel ouvert, bazola la liban, naba na batangite, ba sisi, ba classe, on est où là? Je suis du pouvoir. Mais notre pouvoir, c'est pour accompagner la République. Et quand on parle de la République, on parle du souverain primaire, ou la population, nanayo. Nazana image, nan gopé sa yo, ou indexé ou la qui sa population. Bato ba mâchoire et boukana, bato ma kolo et boukana, libanan obé azakunate. Nazana pouvoir na poche, nazana justice na poche, pour qu'ils ne font des scandales. Mais est-ce qu'ils ont le trafic d'influence? Oui, qu'on s'allume à la 4e à Mabélé, à Banamboka et à République. Mais quand tu parles de trafic d'influence, les services habilités, il faut pas avoir un dossier. Voilà. Il ne s'agit pas d'un Congolais, monsieur le journaliste. On ne peut jamais toucher un Français. On ne peut jamais toucher un Américain. Quand il y a eu, moi, échange moko verbal entre Bissona Congo Brazzaville, quelle a été l'attitude de Denis Sassou Nguesso? Atinda Masoua, il y a mon nene. Mais Melanga, il y a ce Sengeli Kaza Congolais à Brazzaville, à moins que Fazon à la Mabele, il y a Ophélé. Bon, mais Melanga, bam. Mais Bissot, tout le monde est là, et puis ce qui est bon, Nzamba Zangambe, tout à la gare qui est bingana, on l'a en ambetouné. Moukolo, chef de l'État, a eu ma carte d'identité. Gloire à Dieu, le chef d'État accompagné de la première dame. C'est la première dame, la first lady, Maman Denise, qui remarquera que Banderol Mokwezali, 368 personnes basées au chômage, donc 368 familles, a signalé papa Lobi, tant là qu'on a peuple n'est les autres souffrir. Quand les chefs voient, les chefs constatent, ma service, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut pas se faire un dossier, voilà. Batouana va profiter, qui n'a limité, Le président a dit, ok, je vais résoudre ça. Le président est débordé. Mais est-ce que Tozan la Bapaya, Awa, chef de l'État, Baramafosa et tout et tout. Mais les gens qui avaient accompagné les chefs d'État à l'imité, pour la Makamakar d'identité, ils ont remarqué un pourcentage important de la population qui se plaignait pour un dossier. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre ces dossiers à bras le corps? Il y a une solution, il y a même la carte pour qu'on s'en le trafic d'influence et qu'on s'en est un étranger à aller garder par ma garde ou à aller garder président de la République. Monsieur le journaliste, il faut que vous ayez ça. Ba mindele ya pein victoire. Mutaza do ndimagite ka okende. Yipsa ba mon frère Swan. Asana ndimagite ka okende. Mano militaire. Tu sais ce qui est bien avec l'Union sacrée. Fatia a déjà dégagé à ta plus de 3 Libanais à ma classe au binobo yebite. Ses pouvoirs et bengani ba Libanais na bendi à ta bisatu ya ma classe au binobo yebite.
Ça, je vous donne l'information devant la caméra. Donc, faut que vous voyez, il y a plein de victoires. Hein? Ceux qui sont bifort, ils sont à Bolo. Ceux qui sont kaboundes, ils sont à Bolo. La caméra, ils sont à Bolo. Il n'y a pas de Bolo côté. Mais il y a une interdiction formée, il y a une RDC, à comprendre comment l'intérêt n'a eu toutes ces années, à perdre. Non, parce que ils ont un bébé, Simon Kimbagu, ils ont un bébé, un Congolais. Et nous, on est là dans un seul unique objectif étant politique. To battre là où ils ont ma kila na biso où ils allaient ma belle na biso parce que mon kila zo tambo labo les lots où des inculpés acquittés Jules Alinguette est toujours crédible dans la quatrième république démocratique du Congo mon amoka. Bon, Jules Alinguette, il reçoit trop de coups, hein? Il a reçu trop de coups, trop de coups, mais le plus important, je te certifie, il a toujours la confiance de la population, évidemment au travers les chefs de l'État. Et une information, sache que Ebélé, inspecteur général de la finance à Kanga, tant que Tindi va a parqué, va condamner Baron, Ebélé va zoni sans bombe. Magamambo m'a dit ah si bongo et mon anakate ceux qui boyent le journaliste TV bolobeli biso que tel projet sans jour le topo est vide monsieur le journaliste combien de bateaux bakangi bakeyi bakoti asilisi abimia zali l'a fait par la justice aki oliya mbongo na ina kimia. Ah, ça c'est ce que vous avez comme impression, mais je vous dis que la république a des charges bambongo batu balia ki bazo sanzango. Mais ce qui est mutu oyo to ebike pourquoi ramener l'instruction na miso abato nyo to ebike moi na boka Timothée Lenoir alia kimbongo ya l'état à côté prison après tout monde a dit souvent instruction les kagana TV. Pourquoi? C'est pour que famille na yo li bota na yo ba nyo ba ki yibaki et ce que ça na honnêteté ya kimbongo tu esa sonné raison pour laquelle tu vois très souvent. Il y a certains dossiers où il est à la TV. Mais je te donne aussi une information. Il y a aussi des grands dossiers qui ne passent pas à la télé, qui se résoutent. De toutes les façons, IGF a condamné à terre. IGF sera mené à l'investigation. À l'ingéte, il ne quittera jamais la terre. Ses inspecteurs, directeurs, ils ne quittent pas. Ils ont une flagrance, ils ont sa rapport. Et l'IGF, l'inspection générale, comme étant institution, structure si vous voulez, comme étant service, a tenu la justice. C'est maintenant la justice d'apprécier. Il y a un côté sous mon zindo parce que Bangonde Baza a un droit, il y a maîtrise, il y a une investigation, il y a une enquête. Et quand la justice te condamne, ça n'a rien à voir avec Alinguette. Si la justice est acquittée et lavée, c'est quoi le problème d'Alinguette? Et qui contrôle l'IGF? Mais l'IGF défend la présidence. Ah, il y a moins l'IGF à contraquer toujours bateau et opposition. Je ne sais pas. Mais la vie qui va pouvoir, quand même, est belé. Na oyo yebi na oyo yebite. Oyebi dans entourage. Non, parce que bata pouvoir, y a bata pouvoir. Monsieur le journaliste, après bazali la veille. Non, pas après. Oyebi dans entourage à chef de l'État combien ba kangami on a mis dans la makala. Vital Kamerhe yo yemoko oyo yo comprenez le cola personnalité. Non, nazo prenez Vital Kamerhe, c'est une personnalité politique ya moko. Tout le monde connaît le parcours de Kamerhe. Kamerhe a bénéficié de la chicotte de l'État des droits. Il a été arrêté, jugé publiquement. Après Azongi sous Nakati. La question n'est pas après Azongi. La question n'est pas na Yonangati. Il faut poser la question à la justice. Pour justice, c'est PC liberté provisoire et puis acquitter. Les arrêts, ma décision de justice sont rendus au nom de. Il y a chef de l'État. Qui suis-je Yonanga pour tomber sa vie contre elle? Ça veut dire qu'appareil judiciaire est stabilisé, Moutou. Et moi, les Moutou, il faut bénéficier de la liberté provisoire. Au fin, il faut acquitter par rapport au manque d'éléments. C'est qu'on en a vraiment des Konanga. Rien à voir parce que c'est quand même. Est-ce qu'il y a un sacré qui corrompre le bateau télé, le tout comme on a un pasteur qui mis Moussa dans la bongo, il y a un cas de. Et le pasteur a commencé déjà à l'élan dans la bongo là. Le pasteur, le dadi. Oh, le dadi, il y a là. Il y a un peu de dadi. Na Congo a soko zana tanta na poto atine le valise a bilamba ba veste leki bible adorée on ngape dadi. Dieu m'a dit aujourd'hui banel ba okabola ba famille abadi. J'aurais appris d'après mes informations, j'aurais appris que on a donné 750 000 dollars à ma pasteur congolais. Ah bino bona bino bato inyo sacré. Yo kate. Biso inyo sacré soki simbi so simbité to za porta la sto bimisi a mo. Inyo sacré tambola bon. Mon pasteur combien? 750 000. Siko yé biso. Té na mon côté. Sangana wana. Siko yo yé sanga pasteur pour nous y a prière fois un peu cela. Siko mingi pe ba kwali bango. Muninga no pasteur ma escroqué yo.
Si le pasteur a dit qu'il faut là, il n'y a pas. Tu vois, quand je vous dis, quand je me répète, ah, je vous dis. Il clair dans la manifestation les 30 jours, la prière. Dans la manifestation, la prière les 30 jours. Quand je vous dis. Je vous dis, moi, je suis là, pasteur, je suis là, je suis là. En tout cas, ma information, je suis vraiment. Tu as vérifié, je suis là. Si vous avez un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de soif. Parce que même le pasteur, il a un peu de soif. Pourquoi c'est une expression Non, quand je dis mboka, si on va tomber, on va comprendre le sens. C'est pour dire que ce qui se passe nulle part au monde, ça m'a dit en Congo. Pasteur a eu Saint-Esprit, appellation, à une vocation et orphelée, malobi y a une onction. Avant de prier, il faut appeler ses mbom. Il y a 5000 bandits, mais si on a l'art, on va regarder. Ma pasteur, je suis un bon gars, je suis un bon gars, je suis un bon gars, je suis un bon parti politique. C'est ça la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Je suis catholique, moi, maman Maria. Biso aux Arabandoki. Mais papa tondi ça. Au moins, biso va dogi, neto tondi si. Voilà. Si go bino bat vos abba yenge beni, bo vandara na lola. Po bombia, bob salambella na libota na nzambi, baya go prier pour na école. La Bible nous recommande de prier pour notre nation, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Ma femme et moi, chaque matin, on prie pour Fati. Fati, ça peut s'en aller combien? Malgré que je suis de l'Union sacrée. Sans travail. J'ai choisi l'union sacrée pour sa conviction. C'est ça être un homme. Le chef m'a déjà donné combien? Mais quand je prie pour lui chaque matin, chaque soir, c'est parce que je maîtrise les principes spirituels. Si je suis un pasteur, je ne salue même pas à 10 000 personnes à stade sur 80 000. Pourquoi on ne peut pas donner à nos services de sécurité? Les autres, on a pour un kidnapping. Pe crime à la Gissi Force. Pardon. Service spécial à la Gissi Force. Agnès à la Gissi Force. Ils ont besoin d'être primés. Moi, je suis un Christian Chiwewe, à auto ça la tourner dans ma front, à auto motiver ma soldat. Je suis là. Heureusement, ma soldat va comprendre que c'est l'école, on a besoin de tout bouger. Pourquoi on ne donne pas cet argent-là à Chiwewe, à que nous motivions ma soldat dans la front? Parce que tout va dans la front partout dans le monde, ils ont besoin de la motivation. D'ailleurs, motivation prime à soldat, c'est reconnu par la loi. Et ça a discuté. Vous donnez les hommes, entre parenthèses, de Dieu sur Bazanine. Et puis, ce sont les mêmes personnes, ils vont prier pour les chefs de l'État. C'est impossible. Ah, donc c'est que le théâtre? La seule unique personne qui peut prier pour les chefs de l'État, tout le monde. Maman Denise. Au Pumbwe Nabutu, au Pumbwe Namo, il principe les deux formes. Si vous avez pasteur, vous avez prié chef de l'État, na maman Bosona qui vous a fait la film à Novelas. L'équipe va intercesser, vous avez copié une noire. Ça veut dire que l'État d'âme est compliqué. Et vous viendrez chez les pères de la nation, vous comprenez pourquoi les pays ne marchent pas? Ça, ce sont des principes de base qui n'ont rien à voir avec la politique. Parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Les problèmes du Congo. Kabila, tant que je suis comme un pire, ma pasteur. Pasteur, il appelle ça Kabila prophétie. Oh, Kabila, on a 4 mandats. Au bout de ça, tout le monde a eu la Lola, Congo, on a eu la Lola. Aujourd'hui, on a oublié. Aujourd'hui, tout le monde est derrière Fati. Et la force de l'union sacrée, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Plus jamais on veut voir les chefs de l'État autour de soi-disant pasteur. Mais les voilà, pasteur va fidèle dans un restaurant, tout le temps dans le fleuve Congo. Pasteur, quand tu as la retraite, pasteur, tu as la retraite, tu as la retraite, tu as la retraite. Pasteur, c'est un commis métier, pasteur, tu as un cortège. Allez, pour la robinette, tu as la retraite, tu as la retraite, tu as la retraite, tu as la retraite. Moussous, non, il y a un pasteur, il y a une église à Mounen. Bon, il y a un député dans l'Assemblée pour essayer de faire un loukaï. Dans tout le monde. Ah, Boutika Bissoko. Est-ce que Lelo Oyo. Je ne suis pas mobiliste. Non. Godin Poi va partir. Et il part déjà. Je suis un ancien de l'Assemblée provinciale depuis 2007. Nassi Seona Godin Poi a commencé à 10 diplômes parce qu'il y a 16.
Et pendant que moi j'ai commencé l'Assemblée provinciale, et Bélé, bah, journaliste, bah, policier, Bélé, bah, on a blablabla, en 2007. Vous comprenez? Si tu veux initier un contrôle, ça doit être une décision du bureau. Au besoin, une décision pourquoi, de l'Assemblée. Pourquoi est-ce allé mater aussi longtemps qu'il y a eu déjà des tentations où il y a qui était bah, question orale avec débat et tu sais ce qui est bien. Mais Mike Moukebaï, a bêti c'était combien de fois? Le Kamba contrôle. Qui l'a soutenu? Qui sait toujours? Tu veux qu'on comprenne qu'il y a eu COP où il y a eu les non, définissez ça comme vous voulez. Mais tu ne peux pas demander un contrôle de 4 ans et demi dans les 48 heures. Ils ont la sentiment que même ils ont une expérience exacte. Il y a eu 4 ans et demi à gestion, ou si vous voulez, mes gestions comme vous voulez, au Sénégal, rapport dans 48 heures de voilà. Oui, il y a eu une classe, au Vanana Ban, il n'y a pas ça, il y a science dans le cerveau. Mais ils ont là d'abord dossier à 500 000 dollars, et Bungaki, et commis dossier, il y a conflit entre Gentini Ngobilana Godempoi, ou il y a eu un lobby Mouninga qui a détourné Mbongo, et après, tu vois comment on a été, Basangisi Bangomi Balé, Basimani, Bapesani Mbongo, Basani Mbote, Basani Réconciliation. Est-ce que tu peux vivre théâtre et dans la gestion de Mboka Nabiso Mboka Soif? Est-ce que Zali Konyoko la Bakongolais? Ils ont déjà définition de Mboka Soif, Yamoal. Mais Godempoi, il part. Amilenge na za mwa mobali za via mwa mobali akokende akokende te akokende merci il aura le temps de se concentrer à l'église calmement le peuple de Dieu a besoin de la concentration ça vient pas de Ngobia ça vient des députés provinciaux l'assemblée provinciale a 50 ce récit déjà 30 33 35 balelio lino en tout cas font kolwa kitaka bazo zela moi na mai ntoma mosel na kolo un symptôme de Dieu a que de se justifier mais nga na zolo makaka akokende akokende te akokende. Au moins, les politiques à Congo, elles n'ont pas besoin de combat car j'arbitre à Zarate. Donc, tu as ça, quand il faut bouler bien. Moi, j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Godin Pouyalobi, Nathalie Messa, Papi, Talami Yibi, Ndenge Batandami. Si vous avez le député professeur, vous avez besoin de Mouyibi pour nous faire un bon travail. Vous avez est-ce que vous êtes pas là? Mboka Soif. Mboka Soif, la bande qui était dans la Congo Live Télévision, tu as mis bon travail sur parce que tu as partagé ton oignon sur ton colombe et il y a un bateau la population congolaise. Mon Mboka Félix Antoine Tshisekedi, mais respect, respect beaucoup. Na yo mon Mboka, Tala République Nenge Kukumbama. Et il y a un bateau basali tout autour na yo bakosakana la population congolaise mobimba. Na basus bakosakana la population kinoise, les lots capitales. Parce que vous avez sur terrain, balobi, batambola na bus enlèvement, batambola na taxi catch enlèvement, batambola na moto enlèvement, batambola na makolo kuluna, alors bah congolais bah pumwe, tout batambola. Eh, batambola na mitu kaba pasteur, y a pas de problème, bah pasteur bah na mitu kebele, surtout bah pasteur na limité, na ebi ebele, pasteur batambola na quatre prado vide, bah zola ndeka ba garde, avocat la mo bandim, au moins bah pasteur na limité wan. Pasteur na bino ya limité badadi. Moto moko atambola na 3 4 jeep. Atchango ba mema bandime pona transport. Bonzambe nde yango wana. Na manza ite to komla suka émission na biso alors dans 30 secondes mon amboka batunos bazwe ki libakwa kolanda yo parce que Congo Live Télévision même ba diaspora même partout même na kati ya présidence Congo Live Télévision et maga parce que ko sala mosala kitoko c'est en République démocratique du Congo tozali na ba proposition tozali na ba message ba suggestion lelo oyo to ya tozwa ki libakwa ko ya mamona mboka Timothée Lenoir na émission na biso lelo oyo ba kongolino so bazwe ki libakwa na lingi dans 30 secondes merci d'avoir pour l'invitation je suis très flatté nalina beta sonnette d'alarme. Informez-vous bien. J'ai une histoire francophonie comme une casque et comme déjà la secousse. Et comme déjà la secousse, pourquoi? Parce que les Kabouins ont sécurité. Ils ont bangé ça. Toutes ces nations sœurs au Bakoya. Donc, il y a déjà une délégation. Il y a Canada va diminuer déjà effectif, si je ne me trompe pas. Bangomoro va français déjà. Comme déjà la carte, ça va douter. Et pourtant, la République a mis les moyens. Les chefs de l'État personnellement s'est impliqué. Parce que j'ai la francophonie et ça a une opportunité. Il y a un tekamboka. Il y a un la dans le monde. Tout ça, c'est la diversité. Vivre sous ce que nous avons. Et à l'époque de Kabila, quand on a connu la francophonie, ma tata Pogno avait donné 10 millions de dollars à Kimbuta, rien que pour assainir la capitale. Pourquoi? Parce qu'ils ont ça dans la capitale. Ce qui est normal, parce qu'il y a un budget d'urgence où ils ont créé un libéré par rapport à circonstances. Je demande à la première ministre qu'est-ce qu'il attend.
parce que Kylian Mbappé a échoué par manque de moyens. Voilà, vous voyez mon galop à moi. Les a tabouté. Volonté, les a personnel, les a. Mais les moyens font défaut. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la francophonie, Premier ministre peut réellement accompagner la République, accompagner la vision du chef de l'État et surtout la volonté de la population, va débloquer budget moko, toyé, baba, pèse à hôtel de ville dans le cadre d'assainissement, surtout que toujours il y a baba paya, et au besoin, soit éthique à la continuité. Et d'aider pour finir, toujours dans le cadre de la francophonie, donnons les moyens de bord à nos services de sécurité. Nous avons des meilleurs éléments et services à sécurité. Au Bakenda, la Chine, Bakenda, l'Égypte, les États-Unis, Israël, ils ont l'expertise. Ba Pesambon. Audience, on a des kidnappeurs, des kidnappeuses, ceux qui sont TikTokers, tout le monde a un avis pour matière intérieure. Excusez-moi, ça ne se passe pas comme ça. C'est bien la population de Monibango, mais il fallait qu'on bombe Bango. Qu'on compte à la Mozindo et l'investigation. Maintenant, on va se rendre Bango public. J'aurais appris aussi dans mon réseau social, la MTC, si c'est vrai, bah, monsieur, déjà, bah, dit, déjà, quoi, quitter, bah, bon. Bon, bah, ndeko, yabiso, bah, koufaki. Bon, bah, ndeko, yabiso, esika, bah, kundi, bah, goto, yébite. Donc, on perd de kaka, bah, tout, kaka, dans le vide. Je demande à notre pouvoir, à notre union sacrée, la vice-première, Peter Kazadi, il est très déterminé dans le Kambouana, Mozindo et Kota, Peter Kazadi, à Solana Vital Kamere. Où il y a un coordonnateur et un COFIN, il y a un ministre à budget, finance, la banque centrale, qu'on donne des moyens, dans le service, dans le côté de Mozindo, pour dénicher, pour déraciner dans nos réseaux, afin que Kimi soit dans le monde. Parce que même Bissomoko, nous vivons, nous sentons l'insécurité, et c'est 10 000 fois risquant pour que les étrangers soient dans la francophonie. Et qu'ils aient l'échec pour Nabiso, il n'est pas encore tard. Mettons-nous ensemble afin que tu atteignes l'objectif. Je me disais que tu as aussi ces missions, mais je me suis question à moi. Je me suis dit que mais mitu kawo ezalaka tout autour ya hôtel de ville et kidna pété kamato et kabama tout mitu ketambola la moyenne tu connais la mission tu coûte les micoles ali koya botika la mal na mabota na bino tozali toujours wana pona ko servir bino bye bye.